Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai un problème. J'ai parlé avec mon coach sportif. Je lui ai dit, ouais, poteau, t'as vu, je me prive de manger et tout. T'as vu, je fais attention à ce que je mange et tout. Mais mon ventre, il est je suis maigre. Mon ventre, il est gonflé, bizarre. Pourtant, j'ai perdu du poids, mon ventre, il est gonflé. Il me dit, ah, tu manges pas. Je dis, ouais, bah, je me prive de manger. Bah, j'essaie de maigrir, quoi. Donc, des fois, je mange pas, tout ça. Il me dit, ah, c'est pour ça. C'est quoi l'histoire? Je mange, je suis gros, je mange pas, je suis gros. C'est quoi vos problèmes à vous? Et c'est là qu'il m'a dit une phrase complètement ouf, où j'ai appris quelque chose. Plus tu manges, plus ton organisme travaille. Plus ton organisme travaille, plus tu vas chier. Plus tu vas chier, plus tu maigris. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que tu manges plein de fois, mais plein de fois de la bonne bouffe. Pour ceux qui veulent maigrir, astuce du jour de mon coach, Training Jetmax. Un fou, voilà, clairement un fou. C'est vrai que j'ai maigri, c'est vrai, mais mon ventre était gonflé. J'avais pas compris qu'en fait, fallait que je mange plus. Plus de fois de légumes, plus de fois de trucs de machin, plus de fois tout le temps. 3, 4, 5 repas par jour, des petits repas, taf, comme ça tu fais travailler l'organisme, etc. Je sais pas ce qu'il me raconte. Vas-y. On en parle de ces gens qui sont tout le temps au régime aussi, ils maigrissent jamais. Non, parce que c'est bien, des fois on m'envoie des messages pour me critiquer. Ouais, poto, ça fait 6 ans que t'es au régime, ça fait pas 6 ans, ça fait un mois et demi. Même pas un mois, ça fait. Ouais, si, ça fait un mois et demi. Un mois et demi, je suis en mode sèche. Un mois et demi. Les résultats, ils sont pas encore assez là, puisque t'as vu. Mais ça, c'est souvent les meufs. T'as vu quand t'es en couple, et il y a un autre couple qui vient chez toi. Et que la meuf, Skina, t'as vu, elle a un peu de surpoids, tu vois. Et quand tu lui dis, ouais, je te sers quoi à boire ça? Non, mets-moi de l'eau, tout ça. Dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis? Elle fait un régime, elle. Ça se voit pas. Après, ta femme, elle la critique le soir. Toi, t'as pensé ça, mais t'as pas dit, parce que t'es bien élevé, t'as vu, t'es pas un rageux. Mais ta femme, la sorcière. Eh, t'as vu l'autre? Elle a fait semblant qu'elle était au régime, cette grosse vache. Eh, ça, c'est les femmes. T'as vu les femmes? Comment elles sont entre elles? Vous êtes vraiment des sorcières, hein. Ah ouais, ça c'est une certitude, vous êtes des sorcières. C'est pour ça que t'as vu trop de trucs. T'as vu? Dans les régimes, vous faites des battles de régime, frère. Vous faites des battles de régime. T'as fait quoi comme régime, toi? Régime du camp? Ouais, mais tu sais que t'as pris une analyse, j'ai vu dans Femme Actuelle. Hein. J'ai vu, hein. Tu sais que t'as pris une analyse, ce régime-là ne marche absolument pas. Hein. C'est yo-yo, hein, tu récupères. Hein. Ouais, oh là là. Non, moi j'ai un nouveau régime là, ouais. Poto, tu l'as vu sur Snap de Nabila, le régime, pourquoi tu... T'as acheté la balance, truc, et tu viens faire l'ancienne chez WAM? J'ai pas compris là. Non, du tout, ah Nabila aussi elle l'a fait. Ah putain, bah tu vois, c'est que ça marche. Hey, y a trop de bluffeurs sur les régimes, trop de bluffeurs surtout. Les mecs, quand on fait un régime, on n'ose pas le dire. T'as vu, on dit pas on est au régime. Il y a des mecs qui, miskin, ils sont près de l'obésité morbide, qu'Allah les facilite, et ils viennent nous dire, non, je suis en sèche. Hey, je suis en sèche, c'est 5 kilos d'écart. Hein. Il y a des mecs qui pèsent 2 tonnes 8, ils sont prêts à casser la tête avec des semi-remorques, et ils disent, ouais, je suis en sèche. Mais ferme ta gueule. C'est pas après, il y a des potes à moi, ils m'envoient des messages, ils me disent hey « Eh gros, tu parlais de moi tout à l'heure dans toi ?» Non, tranquille la famille, on parle de personne, on vise personne, vous êtes des fous quoi. Voilà, si vous voulez maigrir, maigrissez, on va vous aider, tu vois. Après, j'ai pas envie d'avoir les associations, protection des gros, nanani nanana, etc. Eh, Perse, t'as vu, il y a deux types de gens obèses. Parce que ça se dit pas les gros, c'est pas bien. Les gens obèses, il y a... Les gens obèses par maladie, et là ça me fait vraiment de la peine, et là ouais effectivement. Mais il y a les gens obèses parce qu'ils mangent trop. Tu manges trop, pourquoi je vais avoir pitié de toi? Pourquoi tu veux que j'aie pitié de toi? Oui, parle pas de ceux qui sont gros parce que c'est pas de leur faute. Si, c'est de sa faute. Ils mangent trop. Si c'est un gros par maladie, s'il est obèse par maladie, là oui. Là, il a toute ma compassion, on est là, on juge pas. On l'aide, etc. Mais les gros qui mangent que des Twix, eux, c'est sûr qu'il faut les terminer. C'est sûr, mec, qui a inventé cette règle? Ça se voit que c'est un gros, il vous a mis tous une disquette.
Il est venu, il a tout mangé. Après, il a dit, arrêtez de parler des gros, arrêtez de parler des gros. On dirait que Rari, dans un lobby. Eh, t'es gros, t'as tout mangé, t'es gros. Est-ce que j'ai raison, la famille? Parce que là, je commence à avoir un peu peur. Ouais, je me chie dessus. Parce que j'ai peur d'avoir parlé des mauvais gros. Ou j'ai peur qu'il y a un grand patron, c'est un gros et qu'il porte plainte. T'as capté? La famille, j'ai parlé des... T'as vu, les gros, par maladie, c'est nos frères. Tu connais ces gens-là, quand ils ont fait un truc raciste, après ils commencent à dire, eux, c'est nos frères. Eh, la famille! Les gros, sans faire exprès, eux, c'est nos frères. On les aide. On a de la compassion, on a de l'empathie pour eux. C'est vrai, c'est difficile. En force. Mais les gros qui vont tout manger. Dites-moi si je suis fou. Pourquoi j'aurais pitié d'un mec qui mange tout? C'est pas une maladie de tout manger. Wesh. Ça, c'est, elle est devenue d'où cette règle? Le mec qui mange tout, toute sa vie mange du McDo alors que nous on se prive. Parce que nous, un McDo, on a pris 4 kilos. On a compris le système. McDo, 4 kilos. Lui, c'est McDo. Ouais, y a pas de suite. Lui, c'est McDo, voilà. Après, voilà, il s'en fout de la vie des gens. Il s'en fout complètement. Donc moi, j'aimerais savoir vraiment votre avis en message privé. Dites-moi s'il y a des gens qui vont faire comme contre moi, je vais faire un trap d'excuses. Voilà, je m'excuse peut-être déjà maintenant. Peut-être que déjà, faut que je m'excuse maintenant. Je sais pas. Dites-moi, c'est quoi cette histoire? En tout cas, dédicace à tous ceux qui font des régimes. Vous êtes nos frères. Hey, les sorcières qui font des régimes pour critiquer les autres femmes qui font des régimes qui c'est pas le même que eux. Oh, sinon, tu connais... Attends. Ouais, on va changer de sujet vite sur les gros. Oh là là. On est parti dans des...